Coucou les filles! Aujourd'hui on se retrouve pour un outfit of the party. J'ai décidé de l'appeler comme ça. En fait, c'est juste une idée pour votre temps des fêtes en fait. Que ce soit un party de bureau, au niveau avec des parties de famille, tout ça, avec des amis. Le maquillage que je porte en ce moment, j'ai fait une vidéo, je vais vous mettre le lien quelque part dans l'écran, donc je vous invite à aller la consulter parce que je trouve que ça va bien avec le look. J'ai essayé de tout agencer, que ce soit les ongles, le maquillage, tout. Donc je vous invite à aller regarder ça. Donc cet outfit-là est composé d'un élément un peu plus provoquant, rock, mais qui est quand même de bon goût. Un corset va être une pièce comme ça ici, qui s'attache à l'avant. Donc il y a un lacet à l'arrière qui est très sexy. Donc c'est un genre de... c'est un type de haut qu'on va retrouver davantage dans les magasins de lingerie. Mais j'en ai trouvé un là, chez Stitches à 10$. Puis je trouvais que ça faisait une petite touche sexy sans être too much, sans en faire trop. Surtout qu'on le porte en dessous d'un veston. Donc on n'est pas non plus tout nu. Il n'y a pas beaucoup de détails là, au niveau du bustier en tant que tel. Et il y a des baleines comme ceci, donc ça force à avoir une bonne posture et à rentrer dans le ventre. Et je le porterai pas seul personnellement, je préfère le couvrir au niveau de la taille, mais avec le temps je vais peut-être m'habituer. Et en fait la caractéristique d'un corset, c'est ce qui est super joli, qu'on voit pas en ce moment, c'est le dos qui est tout lacé ici comme ça, avec une belle petite boucle, donc vous avez les petites cordes qui dépassent en bas. Donc en ayant un veston, ça rend le tout un peu plus glamour, propre, mais vous avez quand même là, le fait qu'il y ait des petites attaches ici, ça fait un peu sexy. Avec les manches retroussées, je trouve que ça rend le veston plus décontracté et ça permet justement d'avoir quand même une touche chic en ayant un blazer. Ça aurait été beau aussi avec un blazer blanc, un veston blanc. Donc c'est ce qu'on a au niveau du haut. Le bas, j'ai mis un jean simple. Le mien, c'est un jeans que j'ai acheté chez Smart Set, foncé, avec une jambe légèrement évasée. Et vous pouvez aussi avoir un jeans étroit, ça pourrait être magnifique avec un espèce de petit ruchet dans le bas là. Donc d'aller avec un jeans que vous trouvez qui vous fait bien au niveau des hanches, parce que le corset et le veston est en cours, il faut que vous ayez justement, vous sentiez à l'aise avec vos hanches et tout ça, donc que le haut du jeans soit joli, parce qu'on est souvent habitué de porter des tuniques, en tout cas moi c'est mon cas, ce qui fait en sorte que souvent je vais cacher le haut du jeans de toute façon. Au niveau des souliers, ce que je porte, ce sont des souliers que j'ai acheté chez Aldo l'an dernier, vous les avez vus dans un de mes tutoriels de l'an dernier. C'est des souliers que je trouve magnifiques. Ils ont une espèce de dentelle par-dessus du doré, donc je trouve que ça vient encore une fois rechercher la couleur des ongles, le maquillage des yeux. Et le fait d'avoir un escarpin en dessous du jean, ça rend le tout un petit peu plus glam que de porter des running shoes. Donc c'est une autre option aussi. Donc en ayant un beau talon comme ceci, mais en ayant un pantalon qui le recouvre légèrement, le soulier ne devient pas le focus principal du look, mais ça vient quand même ajouter une belle petite touche, puis ça allonge beaucoup la jambe d'avoir ça. Et au niveau des accessoires, je porte des boucles d'oreilles que j'ai achetées chez Descendant Accessoires. Je trouve que ça a l'air un peu d'une plume de pan, donc j'aime bien. En fait, j'ai opté plus pour des bijoux or pour aller bien avec le maquillage des yeux aussi. Et pour les bracelets, ben, vous pouvez utiliser des bracelets en or, donc quelque chose de délicat. Moi, j'aime bien celui-là, c'est un collier que je tourne deux fois pour le rendre en bracelet. Je trouve que ça fait joli parce que ça descend plus bas au niveau de la main. Bref, j'aime le mouvement que ça crée. Au niveau des ongles, c'est un vernis de chez Lancôme. C'était ma première fois avec les vernis Lancôme et j'ai été agréablement surprise. La luminosité est magnifique. En fait, c'est un vernis qui provient de la collection du temps des fêtes de Lancôme. Celui-là, c'est la couleur In Love. Donc, il se présente comme ça ici. Donc, c'est un magnifique or. Oh, en fait, quand je l'ai vu, il m'a fait penser à Glitterland de Opierre, qui est un vernis un peu dans ce type de couleur-là, qui est sorti il y a peut-être 2-3 ans dans une collection. Je ne sais pas c'est quoi le nom de la collection, mais en tout cas, avec ça. Et le problème avec le Glitterland, c'est que ça prend au moins 4 couches, en tout cas, à mon avis, pour avoir une opacité suffisante. Puis moi, j'aime pas attendre. Donc, avec celui-là, ben, en 2 couches, c'était réglé. Puis ce qui est bien, c'est que l'embout du vernis et arrondi un peu, donc ça va très bien pour faire le haut de l'ongle. Et il est assez large le pinceau aussi, donc moi qui ai des grands ongles, c'était juste parfait. Puis probablement les gens qui ont des petits ongles, vous êtes capable quasiment de le faire en un seul coup votre ongle, donc ça peut être une bonne chose. Puis je trouvais que ça allait bien justement avec tout le reste, là, le maquillage, tout ça, parce que c'est doré sans être non plus un doré très jaune, c'est comme un or blanc un peu, donc je trouvais ça magnifique. Donc voilà, j'espère vous avoir donné quelques idées pour votre temps des fêtes, pour savoir comment vous habiller, tout ça, comment agencer vos choses.
Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, je vous invite à les écrire dans les commentaires en bas. Je vais essayer d'écrire, j'essaie de me souvenir là, d'où proviennent chaque chose, puis je vous l'écris dans la barre d'informations, donc vous pouvez consulter aussi à cet endroit-là. Me souvenir des prix va peut-être être un peu difficile, par exemple, mais ça c'est un détail. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, profitez bien de votre temps des fêtes, puis restez à l'écoute pour d'autres tutoriels pour le temps des fêtes qui s'en viennent avant cette magnifique période.